Le prince se hâte vers la grotte au loup qui sert de refuge aux chasseurs. Sur le lac proche qui s'assombrit, les cygnes blancs, avec grâce, glissent sur l'onde. Siegfried arme son arbalète. Il vise un des oiseaux, le plus grand qui se pavane, la tête fière, aile battante. Le prince hésite. Il trouve ce cygne si beau qu'il n'a plus le cœur à décocher la flèche. La nuit tombe sur le lac. La grotte s'illumine et devant Siegfried ébloui, les oiseaux blancs prennent forme humaine. Le grand cygne se change en une belle jeune femme au regard triste. Elle ressemble à la fille qu'il voit parfois dans ses rêves. Sur ses longs cheveux brille une couronne minuscule. Des demoiselles l'entourent. Toutes se mettent à tourner, tourner. 11 corolles blanches parmi les stalactites et les draperies de roche. Le prince se mêle à cet étrange ballet.